retrouve pour une nouvelle réception. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, on va être sur du 100% Spy Family. C'est une réception qui m'a été offerte par 404 éditions et on commence par ce carnet de fans. C'est donc un petit carnet pour les fans de Spy Family, comme toute cette réception, qui va vous permettre de tester vos connaissances, d'apprendre plus de choses et aussi de faire des petits jeux. C'est très divers et varié. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de contenu dedans. Le carnet est quand même assez épais, franchement, et très joli. La couverture est cartonnée. On a un petit élastique comme ça pour fermer, que je n'arrive pas à mettre. Toujours pas. Voilà! J'ai ensuite reçu des cartes à gratter comme ça, donc c'est une petite forme de coloriage qui n'existait pas quand j'étais jeune, mais je sais que ma nièce adore ça. C'est des cartes comme ça qui sont noires avec de la couleur dessus, vous avez un petit bâton qui est fourni et vous grattez et ça fait le coloriage. Je trouve ça très très chouette pour les plus jeunes, franchement c'est ultra cool. Et on finit avec ce qui me tentait le plus, il s'agit d'un jeu de société, c'est comme ça, ça arrive dans une espèce de boîte en métal, et en carton pardon, mais avec un petit aimant ici. Et on est vraiment sur un jeu de société type Uno, et ça a l'air très très chouette. Le but c'est de se débarrasser de ses cartes en mettant soit le même personnage, soit les mêmes couleurs. Donc très simple pour les plus jeunes et jouable à plusieurs et avec toute la famille. Et voilà pour ces quelques goodies. Est-ce qu'il y a des fans de Spy Family par ici qui suivent l'anime ou le manga? Pour ma part, j'ai arrêté le manga par manque de place, mais j'adore l'anime et c'est toujours un plaisir de le regarder.